Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 36 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui de Deus Ex Human Evolution. Donc là, j'ai pris le petit accent anglais, c'est sympa. Donc c'est un jeu qui est sorti donc en 2012 de Square Enix. Donc c'est pas souvent qu'on voit des jeux de Square Enix. J'ai envie de dire, ils en sortent pas non plus à l'appel comme Ubisoft. Et donc on va y jouer. Vous allez voir Deus Ex, c'est un jeu qui existait il y a déjà un moment. Voilà, donc c'est le dernier qui est sorti. Donc on se fait une petite nouvelle partie. Et puis on va avoir droit à une belle scène de cinématique pendant un sacré paquet de temps. Voilà. Donc je vais vous la laisser parce que ça raconte pas mal d'histoires. En gros, bah, dans l'histoire de laboratoire, de recherche, de technologie, c'est assez spécial, donc je vais vous le laisser après. Donc le temps de chargement est peut-être un petit peu long. Voilà. Alors, donc Deus Ex, vous verrez, c'est un jeu à la première personne. De toute façon, on aura le temps de le voir nous-mêmes un peu plus tard dans la vidéo. Alors, vous, les petits conseils, le petit chargement, c'est un petit peu long, je trouve, quand même. Cela dit, c'est déjà très beau. Donc voilà, je vous laisse la cinématique. Est-ce que tout est prêt? Presque. Presque? Comment ça, presque? J'ai parlé à Montréal. Nous aurons les satellites dès qu'on en aura besoin. Après quelques semaines d'incidents, le public acceptera le rappel en masse sans broncher. Et les cliniques? Nous contrôlons leur budget. Elles nous obéiront. Vous ne voulez vraiment pas attendre le référendum? On ne peut se le permettre. Le Conseil scientifique américain se réunit dans 5 mois. Mais la position des congressistes est en train de basculer. Je suis sûr qu'en étant patient, nous... Non. En rendant publique cette découverte, Sarif nous force la main. Le monde ne va pas changer du jour au lendemain pour faire plaisir à Sarif. Et puis nous ne pouvons rien sans la Biobus. Vous avez dit que vous touchiez au but. La mise au point de l'interface nerveuse s'est révélée plus complexe que prévu. Mais grâce à David, je sais maintenant dans quelle direction chercher. À Washington, ce soir, la foule devant le Capitole n'en finit pas de grossir. Les manifestants exigent que le Congrès fixe de sévères restrictions aux technologies modificatrices du corps humain. Ceci fait suite à l'annonce de David Sarif, qui affirme que son entreprise a mis au point une méthode d'évolution contrôlée par l'homme et accessible à tous. Les chercheurs de Sarif Industries sont attendus demain à Washington pour présenter leur découverte. Voilà pour ce soir. C'était Elisa Kassan qui vous parlait en direct pour Picus. Sauf votre respect, j'ai absolument besoin de 2 détachements affectés à notre sécurité, sur le tarmac. Non, pas question de traverser le terminal. Trop exposé. Ouais. Merci de votre compréhension. Bonne nuit. Du con. Y a un problème? Non, non, rien de grave. Mais si vous continuez à tirer sur votre collier, Dr. Reed, vous allez le casser. Allez, Meg, c'est pas la première fois que tu présentes tes travaux. C'était différent. Jusque-là, c'était de la théorie. Mais ça, Adam, c'est énorme. Aussi important que la pierre de Rosette. Et alors, qu'est-ce qui te gêne? Ils voudront savoir comment j'ai fait. Megan, départ pour Washington dans... Adam, vous tombez bien. Besoin de moi, patron? Oui, je vais revoir votre dispositif de sécurité pour Washington avant le départ. Votre équipe est prête, Megan? Presque, David. Nous revérifions les données. Alors faites vite. Si vous voulez épater tous ces bureaucrates de Washington, encore faut-il que vous soyez à Washington. Je déteste quand il est comme ça. Allez, viens. Je t'accompagne un peu. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est un jeu à la première personne, donc nous on est là, on a un petit pointeur au milieu pour dire qu'on est au milieu. Alors voilà, on peut interagir avec les choses qui sont autour de nous.
Donc on bouge avec, avec les flèches, tout simplement. Hop là, on prend des trucs. De verrouiller ton ordinateur, mec. D'accord, ça sert un peu à rien, vas-y, se déconnecter. Donc il doit y avoir peut-être des choses à explorer, mais bon, on va juste regarder là. Allez, c'est parti, parlez. Attention, accès réservé au personnel autorisé. Quand tu parlais de tes recherches, t'avais l'air bizarre. Non, non, j'ai juste un ball track. Il y a quelque chose que tu veux me dire, sur cet endroit, sur Sarif? Megan? Excuse-moi. Il reste des fluctuations biochimiques au niveau des cuves à fricotine. Eh bien, c'est peut-être l'afflux des neuropeptides de la couche de pédote qui dérègle le calibrage. Très juste. Je vais vérifier. Tu te poses encore des questions sur David? T'es ici depuis assez longtemps pour savoir. Eric, vous n'essayeriez pas de m'éviter par hasard? Je me permettrai pas, Docteur Reed. Et je crois savoir ce qui fausse les résultats de Declan. Excès de peptides? Ça pourrait être la rupture du tissu glial que nous avons noté après introduction de la protéine répresseur. Avec un meilleur cytomètre, nous obtiendrions une lecture plus fine pour confirmer votre théorie. Je vais en parler à David. Et s'il le commande chez Page Industries, on aura peut-être droit à une autre machine à cappuccino. Tu réfléchis trop, Adam. Notre travail est utile. Nous aidons les gens à dépasser les limites physiques de leur corps. Ouais. Sauf qu'on travaille surtout pour les militaires. Pas seulement les militaires. Une heure à courir. On travaille pour les écoles, les docteurs, les ouvriers du bâtiment. Oh, merde! Fais gaffe, Eddie. Ces boîtes valent 10 ans de ton salaire. Désolé, désolé. Nia, tu es bientôt prête? Pour Washington? Bah. Ah, Docteur Reed, voici le général O'Neill. Le docteur Seth Changpo me disait que vous aviez progressé sur le Typhoon. Oui, grâce à Vassili, d'ailleurs. Donc, mon général, le Typhoon est basé sur un châssis de combat semblable au mien. Mais je l'ai amélioré en ajoutant des micro-charges ajustées pour propulser les billes en acier. Et l'évacuation des gaz? Géré par des valves cinétiques sur l'augmentation. Regardez. Allez-y. Remarquable. Ce sera opérationnel quand? Désolé, je dois y aller. Mais Vassili connaît tous les détails, mon général. Je vous suis. Nous devons encore améliorer la précision du taille. Ouais, t'as raison. Dans les écoles, ils rêveraient d'avoir un truc comme ça. T'es à côté de la plaque. Ces contrats militaires nous font vivre. Mais les augmentations neurales permettent de penser et de réagir plus vite. Elles peuvent améliorer le quotidien. Le quotidien de chacun. Ça fait des années que David parle de ça. Ouais, ça pour parler. C'est un homme bon. Avoue-le, Adam. Quelque part, tu l'aimes bien. J'aime tout le monde, Docteur Reed. Ouais. Ben voyons. Et toi, tu t'arrêtes où? Je dois passer au bureau de Diane pour lui laisser ma clé. Elle ira promener Kubrick. Il a grandi, tu sais. Il abîme toutes mes plantes. Il a fini par le casser, ce vase? Je l'ai déplacé. Et j'ai mis une clôture autour du jardin, comme tu avais dit que tu le ferais. Ouais, j'ai jamais trouvé le temps. Je regrette. Moi aussi. Et beaucoup d'autres choses. Adam, il y a quelque chose que... Bonsoir. Pritchard. Alors, prête pour le grand voyage? Voilà Farida. Je ferais bien d'y aller. Bon, on se retrouve à l'hélistation, Adam. D'accord. Je vous ai interrompu, Jensen. Vous avez réparé le pare-feu? On ne répare pas un pare-feu. On trouve la faille et on la colmate. Et vous l'avez colmaté? Oui. Vous voulez les détails? Non, c'est vrai, j'oubliais. Ex-flic. Vous ne comprendriez pas. Ex-SWAT. Je pourrais vous surprendre. Sarif vous a aussi appelé. Athènes. Je dois lui montrer comment utiliser les implants de localisation de nos chercheurs. Au cas où il y ait une faille dans votre dispositif de sécurité à Washington. Aucun risque. Messieurs, quel plaisir de vous voir ensemble. Entrez, Adam. Il vous attend. Voici le dernier mouchard GPL crypté à terre. Il transmet des données à notre satellite spécialisé tous les 3 mètres. Dépouillez ça. Comme vous voulez, mais je veux Yutaro à Washington à côté de moi. On convoque pas un type comme lui. C'est un prix Nobel. Les sénateurs l'adorent, Lyle. La commission se passera d'autant mieux s'il est là. Demain, c'est le grand jour. Est-ce que tout est prêt? Oui, monsieur.
La police locale nous escorte jusqu'au Capitole, puis les services fédéraux prennent la suite. Bien, bien. Et notre amie tient le coup ? Un peu nerveuse. Elle devra juste présenter ses recherches. Elle vous a un peu expliqué ? La science, c'est pas vraiment mon truc, patron. C'est incroyable. Tous ces puristes nous accusent de trafiquer la nature, alors que tout ce que Megan a fait, c'est de trouver comment libérer le potentiel qui existe déjà à l'intérieur de notre ADN. C'est plus sûr et plus simple que tout ce que Hugh Darrow a inventé. Défaillance environnementale. Sous-section 6 des laboratoires. Tous les chefs de service doivent se manifester. Bon, ne prenons aucun risque. Surtout pas ce soir. Prenez mon ascenseur pour y aller. Vous connaissez le code ? Ouais, 0451. Tenez-moi informé. Athènes, trouvez quelqu'un pour débrancher ce matin. Donc nous revoilà. On va voir la sauce. Allez, c'est parti. Il nous laisse le champ. Donc vous avez vu, je peux tourner la caméra pendant toutes les cinématiques. Hein. C'est vraiment bien fait ces jeux quand on peut regarder de droite à gauche. Voilà, on va utiliser tac tac tac. Donc 0, 4, 5 et 1. Et voilà, donc c'est parti. Comme il m'a dit, tuk tuk tuk. Alors on va appuyer sur le bouton. Et hop, c'est parti. Richard, où est Megan ? Des nouvelles ? Son implant GPL indique qu'elle se déplace dans les labos de microchimie. Je crois qu'elle court. Merde, la défaillance a dû toucher un équipement vital. Vous l'avez en visuel ? J'essaie, mais les intellicams ne répondent plus. Quelque chose crée des interférences. Il faut que vous alliez voir, Jensen. Vite ! Richard ? Richard ! Et donc, c'est reparti pour nous. Donc, il a sorti l'arme, donc parce qu'il y a un problème. Alors, l'alarme s'est déclenchée. On sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, on va voir. Alors, on avance, on avance. Tac, 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 tac. Donc, il y a un mec qui est mort déjà. C'est pas mal. Ouais, bah, bon, là, il est vraiment mort. Au moins, je teste mon fusil. Hein. Donc, alors, c'est pour s'accroupir. Tac, 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 tac. On se relève. Allez, c'est reparti. Donc, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Il y a des morts partout, des cadavres dans tous les coins. Super. Hop, on descend un petit coup. Alors c'est un peu en feu dans tous les coins, génial. On est passé là tout à l'heure. J'ai l'impression du moins. Alors qui c'est que c'est celui-là ? Ok, donc lui. D'accord, donc il y a un mec qui tue tout le monde. On sait pas trop qui c'est et en plus on peut pas passer la vitre. Donc on va passer par ici. Tac 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 tac, on déplace les cases. Tuc tuc tuc, ça nous fait un peu chier d'ailleurs. Allez vas-y. Pouf. Et donc on ouvre et on va passer dedans. Alors comment je fais ? Comment je fais ? Tac tac tac. Comment je... Non, faut pas s'accroupir. On va sauter. Voilà, c'est bon. Donc je suis dedans. Tout tout tout. On continue. Donc on va atterrir de l'autre côté, tout simplement. Les conduites d'aération sont bizarres quand même. Il n'y a pas d'autre chemin. Ça passe d'une pièce à une autre. À quoi ça sert ? Je ne sais pas. Mais allons-y. Donc là, on a des petits didacticiels, mais. Mais je sais déjà comment jouer puisque j'ai joué avant de faire la vidéo quand même, heureusement. Donc on va ouvrir la porte ici. Et attention, il va y avoir des terroristes. Et parti. Allez, on se baisse. On va se faire tirer dessus sinon. Alors voilà, on peut. Alors avec le clic droit, ça nous donne une petite vue comme ça. Et on peut viser à peu près, même si c'est pas très précis, pour essayer d'en dégommer sans se faire voir. On va essayer. Hop. Donc je sais pas, ça a l'air d'être doué, une sorte de terroriste bizarre. Ça aurait pu être une expérience qui a mal tourné, mais c'est pas, des terroristes qui se sont barrés. Donc on a pas l'air d'avoir de munitions. Donc là ça recharge, parce que bah il faut que ça recharge, mais on a l'air d'avoir des munitions illimitées. Il va y avoir un mec là, vas-y c'est bon, hop là. Allez, crève, crève. Voilà. Normalement il n'y a plus personne, on continue. On sait pas trop ce qui s'est passé quand même. Bon, on va continuer un petit peu. Alors, tchoup, tchoup, y'a personne. Alors, qui c'est que c'est ça ? Un cadavre encore ? Ouais. Voilà. On est sûr qu'il est mort. On sait jamais, hein. Je sais pas du tout comment ça marche dans ce jeu. Donc, tchoup. Donc, il y a une sauvegarde, je crois, qui a été faite là. Ouais. Une sauvegarde automatique. Ouais, l'icône s'affiche très rapidement. L'attention, hop, il est terroriste. Vite, 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 vite. Non, non, mauvaise idée. Ah non, 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 non. Je suis mort. Il aurait fallu que j'aille me cacher à droite. Hein. Mais j'ai foiré là, je suis à la gauche. Je sais pas pourquoi. J'ai cru que j'allais pouvoir tous les tuer en un coup. Alors, ça recharge. Ah, la dernière sauvegarde automatique qui a été faite, donc.
C'était un tout petit peu avant. Donc pareil, le chargement, alors ouais, voilà. Si vous mourrez, le chargement est toujours aussi long que tout à l'heure. C'est horrible. Ah, c'est totalement horrible, un chargement aussi long. Je sais pas qu'est-ce qu'il charge. Franchement, il a juste à retourner en arrière. Il a pas besoin de se refaire, de se recharger toutes les textures. Tout est déjà là. Je sais pas, ils ont pas dû virer sur quand ils ont codé le jeu. Voilà. C'est un petit peu long. Alors, c'est reparti. Donc là, oui, j'avais bien raison. Il y avait une sauvegarde automatique à cet endroit-là. Donc on va re-rentrer dans la même pièce. Et on va essayer de pas crever cette fois-ci. Allez. Hop, on va se cacher. On se cache. C'est le principe. Hop. On se lève vite fait. D'accord. Ah, il parle français. Ah, ils m'ont jeté un truc aveuglant. C'est pas le top. On n'y voit rien du tout. Voilà, c'est bon. Ah, y'a un mec là. Ah. Enfoiré. Oui, c'est toi l'enfoiré. Voilà. Oula, on est tout rouge. Donc, quand c'est rouge, bah voilà, c'est pour dire que pas bien. Il faut attendre un petit peu. Quand ça devienne moins rouge. Ah. Non, vas-y, crève. Salopard. Je crois qu'il est mort. Donc voilà. On va pas continuer plus longtemps parce que ça deviendrait trop long de finir la mission. Donc je vais vous laisser sur ça, au moins vous aurez vu un peu le gameplay et les armes, tout ça. Donc voilà pour Humans Evolution de Deus Ex. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.